pas donné la dîme de son amour. Il a tout donné, il n'a pas donné la dîme de ses bénédictions, mais c'est incroyable. Ça fait plaisir de vous revoir. Donc oui, je suis à Baltimore en ce moment, donc c'est aux États-Unis. Et c'est vrai que après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Donc c'est vraiment une joie d'être avec vous. Alors, on a vraiment de la chance ce matin. On va partager la Sainte Cène. Alors, en plus, c'est la première fois que je le fais. Donc c'est intéressant, en tout cas que je partage dessus. Ça ne sera pas aussi bon que quand Jésus l'a fait. Mais je crois vraiment que Dieu peut nous parler et Dieu peut nous visiter encore aujourd'hui. C'est un symbole, donc on prendra le vin, mais qui est du jus de raisin, ne vous inquiétez pas, et le pain. Il va vous être distribué, juste quelques petites notions un peu avant, il va vous être distribué pendant le chant. Ne le prenez pas tout de suite, ne prenez pas la Sainte Cène tout de suite seul, mais on va la partager tous ensemble. Pasteur Johan viendra et on partagera ensemble la Sainte Cène. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es si grand. On sait que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, et on est tellement plus et on est tellement haut. On te rend tellement grâce pour ça. Mais on sait que tu te tiens là, tu nous écoutes et tu nous as purifiés par ton sang. Parle-nous, rends-nous conscients de ta présence, conscients de ton amour. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Alors c'est quelque chose pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà et vous en avez déjà souvent entendu parler même. Mais on va juste rappeler rapidement au cas où quel est ce symbole en fait. Parce que c'est drôle, Pasteur Georges parlait récemment du fait qu'on doit oublier des choses. On doit oublier des choses, on doit lâcher des choses, on doit oublier notamment tous les péchés qu'on a vécus quand on reçoit Christ. Tout ça s'est passé. Et Dieu a rajouté une étape en plus et il nous permet de nous rappeler des choses, il nous donne des mémoriaux. Vous avez déjà vu des petits-enfants, ils ne peuvent pas forcément comprendre les concepts abstraits. Donc si on leur parle de division, il faut leur donner des petits cubes. Parce que c'est physique, c'est tangible, on les voit. Et Dieu a décidé de faire pareil. Le salut, c'est tellement grand, c'est tellement spirituel, c'est tellement élevé. Dieu s'est dit, oulala, on va prendre du pain et du vin et je vais vous expliquer. Ça va être plus simple parce que là, déjà c'est tellement élevé, c'est tellement grand parce que vous ne pouvez pas soupçonner quel amour est derrière ça. Donc ces deux substances, en fait, c'est tout simplement un symbole de Christ, de Dieu, qui décide de venir en tant qu'humain, de s'unir éternellement à nous, éternellement. Au ciel, il aura encore une nature humaine, tout simplement parce qu'il nous aime à ce point. Et il sacrifie sa vie pour que, si on l'accepte, on ait la vie éternelle. Et on est recouvert de son sang, le sang qui purifie. Alors nous, on a tendance à se dire, le sang, ça lave pas, ça tâche. Et y a un peu de ça, effectivement. Le sang de Christ qui nous recouvre, c'est comme quand on a une tache de sang sur notre vêtement. On ne va pas réussir à l'enlever, vous pouvez essayer. Tout ce que vous voulez, ça ne part pas. Le sang de Christ, il ne part pas. Une fois qu'on l'a accepté, il nous purifie pour toujours. Et on va regarder un petit peu un passage en Matthieu, chapitre 26, verset 26 en plus, c'est simple à trouver. Donc Matthieu, chapitre 26, verset 26, quand Jésus justement a inauguré la première Sainte Cène, la première scène. Je vais faire quelques petits commentaires, c'est des choses peut-être simples, mais je pense que Dieu peut nous parler au travers de ça. Donc, Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Alors là, c'est assez intéressant, c'est pendant le repas. Ils étaient déjà en train de manger, et ils ont déjà eu des conversations avant. Et en plein milieu du repas, Jésus se tend vers eux et leur fait « Tenez, ceci est mon corps. » Ce n'était pas prévu. Il ne leur a pas dit « Bon, allez, préparez-vous bien, faites pas de bêtises avant. Allez vous laver, sacrifiez, toi, une demi-douzaine de bêtes, toi encore plus parce que tu as fait n'importe quoi, faites des bonnes actions, vous aidez tout le monde, vous avez intérêt à être parfait parce que là, on va partager mon sang. » Non, il ne leur a pas dit non plus « Faites attention, ça va être un moment incroyable. » C'était pas là. Même nous, on est déjà plus préparés, entre guillemets, en venant à l'église, à recevoir la Sainte Cène. Et c'est pendant le repas que Jésus leur dit quelque chose qui est bouleversant. Et nous tous ici, peut-être on est venus, peut-être qu'on ne s'attendait pas à recevoir de Dieu. Alors on vient à l'église, on le sait, mais on a eu peut-être une matinée difficile, ou on a eu des moments difficiles peut-être, ou des moments de joie en famille. Et on arrive ici et
peut-être qu'on a fait des bêtises, peut-être qu'on a ces œuvres mortes dont parlait Pasteur Johan pour le culte du dimanche, du Nouvel An. Toutes ces idées où on se fait « Ah non, mais ça servait à rien, j'ai rien fait, ou je suis pas bon, ou je me suis énervé avec telle personne, je me suis même pas excusé encore. » Enfin, toutes ces rancœurs, tous ces problèmes, toutes ces blessures. Et on arrive, et pendant ce repas, Jésus arrive et leur tend juste, et leur dit « Prenez. » Pas « Venez chercher, venez mériter. Bon, alors, qui c'est qui a été sage aujourd'hui ?» Non. Venez et prenez. Et le sacrifice de Christ, c'est incroyable, c'est vraiment cette capacité à juste nous dire « Mais prenez, je vous le donne. » Et vous n'avez pas besoin d'avoir été particulièrement préparé pour ça, simplement dans votre cœur, l'accepter. Et il dit ça, il leur dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en leur disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est impressionnant, cette sainte scène. Elle se passe dans un repas, on dirait presque une fête de famille, mais les mauvaises fêtes de famille, vous savez, quand on a peur du repas, de ce qui va se passer. Juste avant, on est dans un moment important normalement de la culture juive, mais juste avant, Jésus leur a dit que quelqu'un allait me trahir. Quelqu'un va me trahir. Toutes les conversations autour de la table et dans les pensées, c'est « Est-ce que je vais trahir Dieu ? Est-ce que c'est moi qui vais trahir Jésus ? Est-ce que c'est moi ?» Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Et ils se posent la question, et c'est légitime parce que beaucoup vont l'abandonner. Et Jésus leur propose quelque chose de plus grand, quelque chose de plus élevé. Il leur dit « Ok, vous êtes concentrés là-dessus ? Non. Prenez mon corps. Prenez le pain, ceci est mon corps, et prenez le sang, ce pardon des péchés qui va vous purifier. » Vous êtes là avec vos pensées, mais on peut être pareil, on est là, ok, est-ce que j'ai été un bon chrétien, est-ce que je marche par l'esprit, est-ce que j'ai lu suffisamment ma Bible, est-ce que vraiment je glorifie Dieu avec toute notre bonne volonté, toute notre pureté d'esprit en se posant ce genre de questions, et Jésus nous dit, écoute, regarde, moi je te ramène à un concept encore plus grand, moi, t'inquiète pas de toi, t'inquiète pas de ce que tu fais, juste prends ce que moi je te donne, prends mon sang. Et j'aime le verset 29 où il dit qu'il ne boira désormais plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. En 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26, Paul dit que toutes les fois où vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça, c'est extraordinaire. Ce mémorial, et Dieu nous a donné un mémorial extraordinaire, un souvenir impérissable. Non seulement on se souvient de ce qu'il a fait à la croix pour nous, et il est mort pour nous, c'est cette alliance qui nous purifie, mais il y a une promesse. On a cette promesse. Il y a des gens qui ont des résolutions pour le futur, et nous on a une promesse. Vous imaginez ? On a une promesse, et cette promesse, c'est que Jésus va reboire du fruit de la vigne avec nous. Avec nous. Qui on est ? On est qui, sincèrement ? Eh ben non, il a décidé avec nous, il allait le boire dans le royaume de son Père. Et alors qu'on accepte ce sang, puisqu'on est en Christ, on est mort en Christ et on sera ressuscité en lui, alors c'est notre Père aussi. Et il y a une espérance, mon seul espoir. Chaque jour, je redirai sans fin. C'est chaque jour de ma vie, je peux me dire, waouh, il y a cette promesse-là. Et elle approche et elle est véritable. C'est pas dû dans 2 semaines, on va oublier. Dans 2 semaines, Jésus, il n'oublie pas. Il nous attend, il installe son royaume et il sauve de plus en plus de gens parce qu'il veut des gens à cette table-là. Et ce n'est pas des gens qui méritent, c'est tout simplement des gens qui acceptent que Dieu leur dise « Prenez ». Et on a cette promesse-là, c'est incroyable. Je veux juste le relire, c'est « Je vous le dis, je vous le dis ». Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas juste une personne, ce n'est pas juste un homme, ce n'est pas un prophète. Je vous le dis, Dieu fait homme, nous le dit. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parce que la fête, elle sera complète pour lui. Pas quand il a vaincu la mort, mais quand on sera assis avec lui, directement. Parce que Jésus est là, non, non, moi un vrai repas, une vraie fête, c'est quand vous serez avec moi, que tout sera glorifié, que le péché sera totalement vaincu. Il est déjà vaincu, mais éternellement, quand on sera dans nos corps glorifiés. Là, Jésus pourra enfin boire du nouveau vin de cette vie avec nous.
Que Dieu vous bénisse.